Communication de la police nationale congolaise. En date du 18 février 2019, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation avait été saisi d'une lettre plainte numéro 051/JCN 2019 émanant de Monsieur Jean-Claude Ngoye Lufuluabo et consorts contre M. Martin Fayoulou Madidi pour des faits infractionnels portant incitation à la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis, crime de génocide et crimes contre l'humanité. Par sa correspondance datant du 25 avril 2019, portant le numéro 2723/D.023/2838/PGCCAS/SEC 2019, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation va instruire Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire de mener des investigations et de lui faire rapport au sujet de la lettre plainte de Monsieur Jean-Claude Ngoye Lufuluabo contre M. Martin Fayoulou Madidi. Une invitation de la Coordination nationale et police judiciaire DPG numéro 0575/CNPG/2019 du 30 avril 2019 a été lancée à M. Martin Fayoulou Madidi à se présenter le lundi 6 mai 2019 à 10h précises au cabinet de M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, situé dans l'enceinte du casier judiciaire, 6 avenue Calémie numéro 30, dans la commune de la Gombe, pour renseignements à fournir. Il s'est fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation de la police un caractère politique qui avait risque d'exposer certains riverains habitant les environs de la Coordination nationale police judiciaire. Nous avons notamment cité 4 écoles maternelles, une école primaire, une école secondaire consulaire, quelques résidences des diplomates, ainsi que des personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de M. Fayoulou Madidi Martin pour une date ultérieure. Notification a été faite à son avocat conseil pour ce faire. En bref, M. Martin Fayoulou Madidi ne sera plus entendu ce lundi 6 mai 2019 comme initialement prévu. Nous en remercions.